pour participer au journal annuel contre les pressions policières. Okay. Il y a eu plusieurs meurtres de la police de Montréal ces dernières années qui ont été à peu près ni médiatisés puis encore moins dénoncés. Puis la répression des militants politiques. Il y a eu 3 ou 4 000 arrestations politiques depuis 1995 à Montréal pour des manifestations. J'ai déjà été arrêté pour des raisons arrêté à la pige par la police. Je dénonce ça. Je suis heureux de voir qu'aujourd'hui, pour une 7e année d'affilée, qu'une fois de plus, les opposants et opposantes à la brutalité policière ont répondu à notre appel à manifester contre les injustices et contre les abus de pouvoir des policiers. Madame tout le monde qui pense que c'est de la science-fiction, c'est bien évident qu'ils verront pas ça d'un très bon œil et ils vont trouver qu'il y a beaucoup d'exagération et ce genre de choses-là, ils trouveront pas ça crédible. Maintenant, les gens qui ont eux-mêmes une expérience d'abus policier ou qui connaissent des proches qui en ont été victimes vont accorder comme de la légitimité au simple fait de prendre le risque de quitter l'espace public pour dénoncer les abus policiers. C'est sûr que ça a une certaine raison d'être, mais je pense que c'est un faux problème. Moi, personnellement, à date, ce que j'ai pu regarder, j'ai l'impression que c'est un mouvement qui ne possède pas l'honnêteté intellectuelle qui se devrait d'être. Parce que la plupart des gens qui sont dans ces mouvements-là sont membres du mouvement anarchiste. On représente l'autorité, on représente les premiers interventeurs du système judiciaire. On représente la protection du gouvernement, on représente la protection du système capitaliste. Ils sont contre ça. Alors, nous, on est les premiers intervenants, donc c'est les premiers, effectivement, qui doivent payer la note. Vous voulez tenter de faire des arrestations aujourd'hui? Oui, on n'a pas compris. Ben, je sais pas, c'est historique. Ah ouais? Puis leur soupe de football. Bon, le gars, il y a des tailles, là. Moi qui m'est arrivé dans le poste 33, bon, à un moment donné, j'étais trop juste à la route dans le parc Berry en 96, puis je dormais dans le parc, il n'y avait pas à ça, t'sais. Puis bon, j'étais jeune, je le bain, tu sais. Fait que là, il y a deux flics qui sont arrivés dans le parc, se sont réveillés ceux qui dormaient à coups de pied dans le ventre. Fait que là, moi, j'ai mangé un coup de pied dans le ventre, sauf que moi, ben, j'ai voulu me défendre, tu sais. Je sais pas c'est qui m'attaque que je dors. Fait que, ben, j'ai sauté sur le flic. Fait que là, ils m'ont sauté dessus, moi, j'ai mangé une volée, je suis rentré au poste, les coudes tout plein d'eau. Puis là, ben, vu qu'ils ont vu que c'était trop gelé, ils ont rempli un bucket d'eau frette, puis un bucket d'eau chaude. Puis là, ben, j'ai fait l'arrêt des buckets. Ce qui veut dire qu'ils m'ont poigné par le califourchon ici, ils m'ont poigné par le gilet en haut, ils m'ont levé dans les airs, ils m'ont crissé la face dans l'eau frette, la face dans l'eau chaude, la face dans l'eau frette, la face dans l'eau chaude. Ça relève, t'es encore gelé, t'es-tu gelé? Là, tu prends ton souffle, la face dans l'eau frette, la face dans l'eau chaude. J'étais sur la rue Saint-Laurent, genre, pis j'ai dessiné sur un mur rouge. Puis là, la police est arrivée, mais ils ont dit du vandalisme, nanana. Ils m'ont pris par les bras, pis tout, pis ils m'ont fait à terre. Pis ils m'ont essayé, pis ils m'ont fait mal. Je peux en dire que j'ai rien vu quand c'est arrivé, là. Pis ça a tout parti quand je me suis mis à cracher, genre, dans le visage des policiers, là. Ça a mis comment tout le monde était devenu fou, là. Ils m'ont embarqué dans un autre police. Pis y'en a un, j'ai rien vu pendant tout le long, j'avais la tête, genre, dans le banc, pis l'autre, il me pèsait sur ma tête avec son pied. Puis on est arrivé où il y a la police. Puis encore là, ça a été tellement vif, j'arrive dans une cellule. Ils m'ont couché sur un banc, puis ils m'ont tout déshabillé, ils m'ont tout enlevé mes bijoux. Puis à chaque fois que je répondais pas à une question, ils me pesaient, puis ils me tiraient par les cheveux. Puis, il y a des gars qui me tenaient, puis des filles qui me déshabillaient. Ils étaient plein, là. Je savais même pas.
tout le long, tu sais, je voyais rien parce que tout le temps, j'étais couché sous l'ombre avec des menottes. Il me désavait pis tout, pis j'entendais juste me parler pis me dire des affaires moins dégueulasses. Mais quand tu rentres en prison, comme quand tu te crisses en dedans, quand tu te fais arrêter, que ce soit l'étiquette de Squeegee, que ce soit n'importe quoi, ben la répression est bien présente. Parce que je veux dire, vu que t'es dans la rue, bon, t'es les personnes que les touristes veulent pas voir, puis il faut qu'ils clignent la ville, bon, c'est comme genre le mandat, c'est ça. Puis quand tu rentres en dedans, ben là, ils te traitent de tous les noms. C'est vraiment de l'attaque verbale, puis pour t'attaquer psychologiquement. Puis s'ils peuvent te faire brailler, ils vont être bien contents. Fait que tu sais, c'est... Ouais, c'est traite de crotté, ou ben non, c'est, tu te fais du coup. Tu fais du squeegee, c'est tout dans le job, c'est crotté, des affaires de même, pis c'est tout le temps, pis ils se mettent à la gang là, pour t'attaquer. Là. C'est pas juste un. C'est un petit drôle qui tourne. Le but, c'est de faire de la répression, ces jeunes de la rue, pis des non-désirés, si tu veux, les marginaux. Pis c'est de leur rentrer dedans, pis faire tout. Pis le monde ne connaît pas vraiment tous les droits, donc ils en profitent en tabarnak. La brutalité policière, on pense tout de suite des coups de matraque, l'utilisation de la force excessive, des policiers qui tuent des citoyens, c'est de la brutalité policière, mais c'est encore beaucoup plus vaste que ça. Quand les policiers décident de cibler des gens, pour les contrôler, les fichiers, ou pour les faire quitter un secteur.